C'est tout le monde, c'est Madoc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zeus, c'est le maître de Luna. Ça fait très longtemps qu'on n'y a plus joué, mais là on est reparti. Et donc, je sais plus ce qu'il faut faire, je sais plus tout ce que nous devons faire. Alors, vous voulez le palatier. D'accord, donc il faut appeler je ne sais pas qui, c'est vraiment, voilà. Alors il faut retrouver notre sang. Elle est là. Il faut 8 gens de monsieur et de l'huile d'olive. D'accord. Je vois juste un truc. Ok, on est bon. Ouais. Frost me dit que j'ai 200 FPS, donc c'est génial. Donc là, on va lancer le jeu. Et donc, il faut 8 logements, c'est ça? Voilà. 8 logements et monsieur. Actuellement, on est 6, 2, 4, 6. Donc je vais devoir faire un autre quartier. Ouais, dans le problème, là j'ai un peu bloqué, ça fait embêtant. La fois que je vais le faire par la main, c'est pas cool, il y aura pas de bon cachet. Ouais, si, je pense qu'on va savoir dire ici. Donc niveau ouvrier, on est comment? 10 ouvriers requis. Et niveau nourriture, c'est beaucoup. Ok, on est en mai. Le bleu, on l'a bientôt. Donc je vais en mettre en tête hein, parce que. Trop je peux jouer. La olive, c'est parfait, je sais pas d'où viennent, bah des oliviers tout simplement. Et le vin on en a beaucoup également. Ainsi que la laine. Niveau exploitation. Ah, là c'est pour les sculptures. Niveau importation, exportation, on exporte de la laine. Et on peut exporter du vin. Non. Des olives. Oui, on va exporter un peu d'olives parce que la production d'huile d'olive ne suit pas. On a besoin des oliviers. C'est pas là. On reste sur la carte. Achète. Qui m'achète des oliviers? Ah. Ténédos. Ah, on va faire un doc pour Ténédos. Niveau souffle, ça va très bien aussi. Je suis sûr qu'ici on pourra le faire. Mais... voilà. Je vais regarder le cachet si ça fait descendre ou pas. Sinon, moi, je suis en vacances. C'est génial tout là. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vais faire pareil. Moi, je vais super bien, comme je disais. Donc. Et puis, c'est bientôt Noël. Hein. Donc, j'ai le Père Noël qui va te passer. Ça va être aussi sympathique. On va en vendre une dizaine. Ainsi que du raisin. Par exemple, on va regarder, je pense, facilement. Voilà. Alors, voilà. Notre quartier, on va l'agrandir. Est-ce qu'on va l'agrandir? Voilà bien. Ce que je pourrais faire, c'est des implantations ici, juste pour nos quartiers. Et je refais un nouveau quartier ici. Voilà. Je vais mettre des chasseurs pour la viande. Je vais faire ça. Je vais refaire un tout nouveau quartier. Je vais essayer de mettre d'abord mes maisons là où il n'y a pas trop de champs. Je vais mettre là. Hop, on va mettre l'agora. Je sais pas si c'est intéressant ça. C'est pas très intéressant. Si c'est intéressant ce que je viens de faire. C'est très intéressant. Comme ça, le coup de toi ira forcément du bon côté et il ira plus loin. Normalement. Mais des maisons. Vas-y, on va faire comme ça. Tac. 1, 2. Et on met une maison. Voilà. De l'hygiène. Et de la sécurité. Voilà. Et on met pas trop comme ça. On fait deux quartiers, en fait deux villes indépendantes, complètement indépendantes. Ah, j'ai déjà des chasseurs aussi. Et il y a des gens qui m'ont incité. Il y a 88 logements en plus. Niveau nourriture, il n'y a pas de soucis apparemment. Sauf là, ils n'ont pas de chevaux. Est-ce que je peux faire des chevaux? Non. Voilà, vas-y, t'es mido ça. Ça me guidera un peu. Sauf que tu vas un peu. Sauf que tu vas avec le vin. Ça fait vraiment un petit moment que j'ai pu jouer, donc je suis un peu à côté de la plaque. Mais bon. Qu'est-ce qu'il fait que le vin?
D'accord, il va remplir un coupeau là. Il faut y remplir un coupeau, il faut bien sûr. Ah, parce qu'il y en a déjà 16, il y a plus de place, donc il est rentré à la maison. Ok. Oui, bon, les loups, je sais pas qu'on peut nous en mettre, je pense pas. Donc là, il y a du monde qui arrive, donc on va mettre des chasseurs. Je suis possible. Salut, coupeau. Célébrez-moi. On va mettre deux. Avec une route. Comme ça, route. Ah. Voilà. On va voir si le mec il va assez loin. Il faut pas mettre des mises en tout le monde, il n'y aura pas de soucis. Loup. Bon, j'ai réussi à enregistrer le jeu avec Frog, donc vous aurez le son du jeu. Et le son de ma voix. Première fois que ça arrive dans ce jeu. Il vient d'où j'en ai. Oh. La petite écriture, elle s'appelle du monde d'ouvrier, oui, c'est normal. Attendez qu'il y ait. Ouais. Faudra qu'on ait d'abord assez d'ouvriers. Donc là, ça, j'enlève. Paf. Là, ils viennent tous ici. Donc on est obligé de mettre une piscière. Et un ça. Un grenier. On va mettre là-bas. Au niveau danger, c'est bon ou pas? Est-ce qu'il va jusqu'au bout? Il va pas jusqu'au bout. Du coup, on va le mettre là. Ça, on va supprimer. Le feu, c'est bon, il est devant à côté. C'est bon, il n'y a pas de souci. Le sélectif culturel, il faut que le nombre de requis diminue un petit peu. On va remonter les salaires pour l'instant. Voilà, chômage. C'est dingue ça. Quand on paye, il y a du chômage. Étonnant. Ah, là il y a deux qui se sont fait tuer. Et là. Admirez-les se battre. Oh, génial. Ce pauvre sanglier n'avait aucune chance. Mon tir est aussi infaillible que celui-là. Ouais, ça la pète pas trop. Donc là, j'attends qu'on se remplisse. Et je crois que je descends le. Tu me sers à quoi toi? Ah, je peux peut-être vendre des armes. Je vendais peut-être des armements. Pour l'instant, on va l'enlever. S'il y a besoin, on remettra. Et on descend. Voilà, donc vous voyez, ça devrait bien faire. Qu'est-ce qui manque? Les philosophes. Ils sont les philosophes, ils sont là. Ah oui. Donc. Voilà pourquoi. Ah, il est où maintenant? Grenier. Pourquoi il est pas allé jusqu'au là? Mince. Ça, je comprends pas pourquoi il se fait bouffer par les deux. Un grenier. Est-ce qu'il va faire le. Tout le long comme ça? Bah j'en ai pas eu un. Du coup il y en a deux. Bon, ça devrait aller. Ben j'ai assez bon. Hop. Pour le requis 32, il y a la place pour 90, donc c'est nickel. Le fou des titres, là, il va attendre d'abord que. Oups. Que ça aille mieux ici. Ah ben, ça va mieux ici. Ouais, donc c'est parce qu'il y avait le philosophe qui allait là-bas. Donc c'était pas cool. C'est quoi? D'accord. Ça sert à rien. Et donc il va refouler du cachet aussi. Bon, j'attends bien d'avoir un mouvement. Donc, culture. J'en ai des maisons en plus. Ça, c'est pas un souci. Un peu. On a pas mal de maisons. On a aussi de la place pour mettre quelques trucs ici. Et là, on passera par là. On va essayer de s'organiser cette fois. 3000 personnes. C'est youpi youpi ça. Ouvrir ouvrir au pied. Au niveau de nourriture, on en a beaucoup, quoi. Oui, il y en a beaucoup de nourriture avec ça. C'est génial. La chasse, c'est un truc. Une fois que la PB, ce sera un peu plus chaud. Bah, va y avoir plus de bêtes. En fait, on va combiner ça avec une pêcherie. Ouais, il y a des poissons là. La pêcherie, on va la mettre. Ce sera moins productif. On va la mettre là. On va essayer de s'organiser un petit peu, de faire ça bien. Pêcherie, c'est là. Hop. On va mettre ça là. On va relier avec une route. On va foirer en route. Voilà. Et là. Merci. Merci.
Et là, on va laisser comme ça. Il faut que je donne des sculptures à quelqu'un qui n'ont pas sympathique. Bah, tout le monde même. Bon, bah, tant pis, je donne à personne. Je garde pour moi. Par contre, honnêtement, les loups dans ce jeu, je ne sais pas du tout à quoi ils servent. Je vérifie juste que j'avais la difficulté maximum. Je peux remplacer un truc si je mets un garde. Est-ce que le garde va aller tuer les loups? Il va aller tuer les loups. Bon, les gardes, quand votre population n'est pas contente, la l'agitation augmente. Et donc, ils se chargent de tuer les méchants. Et les maisons, maintenant qu'elles montent, qu'elles descendent. Donc, ils se chargent de tuer les méchants et de faire baisser l'agitation. Je pense qu'on pourra en mettre pas mal. Ça m'a l'air bon. On peut passer au stade supérieur. Avec un stade. Ouh là là, je suis doué. Ouh que je suis doué. On va mettre comme ça le stade. Voilà. Voilà, ok. Zéro. Génial. On va développer ce quartier là et ça va ouvrir au kit et on va pouvoir développer développer les pavillons luxueux, voilà, logements luxueux, voilà. Donc encore, oh mais quel guignol, mince. Là, je gère pas vraiment la fougère. Non, bien. Troisième combien, c'est pas grave. Ouais, revenu de 5000. Je parlais d'impôts avant, mais je parlais de monsieur des impôts. On va régler ça. Sécurité. Danger, pardon. On est bon, on va jusqu'au bout, c'est parfait. La place pour 100 personnes de plus. Ah bah ici honnêtement ça m'énerve les maisons comme ça, c'est trop embêtant à gérer. C'est encore des petits œufs qui manquent. Non, ah, cette fois c'est des athlètes. Ce sont des athlètes. Ah, c'est encore ma faute. Pourquoi ils sont pas descendus? Parce que je sais pas, comme ça ils sont pas. Bizarre. J'ai un stade en fait. Hein. Il est où mon stade? Il est là. Alors, athlète. C'est bon, ça remonte. Ah. Ça remonte même plus qu'avant. J'ai l'impression. C'était juste cela qu'elles ont voulu cacher. Bref. On est bon. Du chômage. Ouais. Même souci, je vais faire un truc. C'est peut-être pas bien ce que je vais faire. Donc, enregistrer avant. Célébrez-moi et la mer sera. Voilà. Et je vais faire en sorte, si on peut, voilà. Ouais, je vais faire en sorte que on ait plus de soucis de cacher. Je vais faire dès le début. À chaque fois, j'oublie. Voilà, pour que les gens reviennent. Parce qu'en fait, ça, voilà, c'est comme si c'était une route avec des petites parcs, des petits parcs, pardon. Et donc, c'est pas mal. Je peux le faire avec cette ville parce que là, déjà, j'ai pas la place. Et parce que maison, je perdrais 60 occupants à chaque fois que j'étudierais une maison. Ça ferait beaucoup. Là, on est bon. Le grenier se remplit tout seul. Les maisons à soi, niveau haut, elles sont vides. On va attendre 2 secondes, vous aussi. On recrute, c'est normal. On va voir. Check et check. On met les maisons. On met. Merci, merci. Un peu merci, ce que j'ai pu faire, j'ai guidé ça. On met une maison. Hop. Celle-là, on enlève. On met une avenue. Là, un boulevard. Voilà, on a remis deux maisons.
Voilà. Ok. Là, je vais faire. C'est pas joli. Tchac, tchac, tchac. Niveau vente de vin et tout. Ouais, olive et vin. C'est bon. Les olives, on va prendre plus que 6. C'est largement suffisant. Voilà. Ok. J'apporte du bois. Pourquoi? C'est où j'apporte du bois? Ah, j'en ai pas plus. Ouais, je sais pas pourquoi j'en ai besoin, c'était prévu. Ouais, je sais pas. Par contre, on va prendre des armements. Je pense que là, on peut. Ok, c'est le doc que j'avais supprimé. C'est Argos. Il n'y a pas un film qui s'appelle Argos qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je crois bien. Donc Argos. Voilà. On vend des armements. Bon, on entend bien, on peut tout vendre. Je m'en donne pas comme ça pour faire joli. Ok, ça remonte bien. On peut rien faire. Maintenant. Hop, avenue, boulevard, nom de Dieu. Hop. Voilà, on en a vu ça et ça. Avenue, boulevard, on entre à chaque fois. On est ça et les sous. Et voilà. L'argent, le nerf de la guerre, comme on dit. Bon, mes chasseurs, ils chassent bien. Ça, ils sont liés, ça va, ça passe bien. Donc, on voit vraiment que les chasseurs produisent beaucoup plus que les pêcheurs. Voilà. Ou alors, les gens préfèrent le poisson ou la viande, donc ils en mangent plus. Je sais pas. Mais c'est pas grave. Qui n'est pas imposé? C'est une maison vide. J'ai bien l'impression. Ah, il y en a un qui est pas imposé. Ouais, voilà. Bon, c'est pas mal bien. Si elle passe quoi, 140 personnes. Le truc plus réroqué, c'est bon. Donc, j'ai fait un bon petit coup là, parce que normalement, je peux plus pouvoir me cacher. J'espère. Ouais. Alors, quoi, c'est la laine. Là, c'est plus compliqué. Plus compliqué, non, pas tant que ça, mais. Là, hop, on va enlever ça. Salut. On va mettre. C'est la place. Ouh, c'est calculé pour. C'est calculé pour. Laine, obtenir 6. Ça devrait suffire. Excusez-moi, j'ai mis un petit peu plein. C'est normal, on est en hiver. C'est normal. Et on va arrêter de la. Ouais, non, pourquoi on la vente? Mais combien? 32, c'est bon. On peut vendre ça comme il faut. Ça. Toc. Et on remet. On accepte que la sculpture. Là, ça diminue un peu. Ouais, la laine, j'ai largement assez. Le vin aussi. Est-ce que je peux. Non, je peux pas vendre de vin. On va le donner par gauche aussi. Cadeau. Le vin, allez. Ça fait des entrepôts. Lui, qu'est-ce qu'il a? Le cachet. Ouais. Voilà, si j'ai fait le même truc qu'avant, là, je vois pas ce problème de cachet. Donc, c'est pas grave. Ah, c'est parce que c'est un problème d'hôpital aussi. Parce que je vais l'hôpital à côté, donc. Et parce que du coup, lui, il est plus satisfait. Ah, si. La santé générale est bonne. Ok. Alors. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Maintenant, on va venir ici. À la fin de la route, si c'est possible. C'est possible. Ah bah oui, j'avais pas vu. Il y a de quoi faire. Et là aussi. Donc, pour que vous voyez, ça fait. Ah, là, ça fait une plante. Et des fois, ça fait des petits escaliers. C'est. Voilà. C'est comme ça. Ouais, donc là, j'ai vraiment plus de vin. Tes dos, ils font trop la fête. Ah, si, quoi. Oh, punaise. Beaucoup. Comment ça se passe là-haut? Ouais, on va prendre vite.
Et mettre un machin de laine, sinon ça marchera pas. Voilà. Ensuite, hop hop hop. Voilà. Comment c'est un peu configuré tout ça. On recommence. Parce qu'il faut pas, faut à nouveau pas trop se paumer. Là, ça va la modifier la route là. On va la supprimer tout simplement. Voilà, ça nous embêtera pas. Ça, on va mettre ça. Comme ça, on va mettre au niveau en agora des avenues. Boulevard, pardon. Hop. C'est déjà là, ça fera déjà plus de cachet. Et maison. Normalement ça passe pas. Oui. Alors, c'est bon, juste la bonne longueur. Ah bah voilà, un monument. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Bah je sais pas, ça a clignoté, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça a team... Oh punaise. L'huile d'olive. Aucun stock. Trop loin. Pourquoi c'est trop loin d'un coup? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ça se fait? J'ai plus de... Ah si! Trop loin. Trop loin. Avant c'était pas trop loin, mais maintenant c'est trop loin. Ah bah c'est pas grave. Non plus, ça m'a plu. On va se décliner aussi. Ok, faut réagir vite. Là, obtenir le bonus. Dépêche. Là, par contre, là, on va leur mettre un machin. Hey, punaise. Je sais pas comment ça se fait. J'ai pas eu de bâtiment d'esprit, enfin, je crois pas. C'est bizarre. Ah, j'ai du chômage. Pourquoi? C'est culturel. J'augmentera plus tard quand on pourra. Quand on en aura besoin. Alors, ici. Non. Non, je peux augmenter. Monument commémoratif, j'utiliserai tout ici, je pense. Voilà, comme ça. Ça te suffit? Bah non, ça te suffit pas. Forcément. Voilà. Ok, je crois que j'ai compris comment il fallait procéder. Ça va là, je crois. Hop, on rajoute deux lignes. Ah non, ça passe pas. Parce que là, je fais pareil. Enfin, je crois que j'ai pareil. J'ai deux lignes à côté. Une, deux. Hop. Ouais, c'est symétrique et ça marche pas. Ça, c'est bizarre. Je pense que c'est ça qui rajoute un peu de cachet. Toi, tu vas vite décliner, c'est dommage pour toi. Donc, on va rajouter une troisième ligne. Oula, tu vas vite te casser la gueule si tu veux rien. Là, pour l'instant. Voilà. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. 3, j'ai dit. C'est comme ça. 3, ouais, c'est comme ça. Pouf. Pouf. Tum, 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 tum. Et là, on a mis également. Et là, également. Voilà. On rajoute deux maisons de cul. Je suis possédé. Poussez-vous les loups. Et la mer sera. Oh, j'ai très peur. Allez. Allez. Normalement, ils sont tout seuls. Bon, là, ils veulent pas. Bien sûr, j'ai fait une bourde. Il faut que j'école d'un coup. Allez, quoi. Assume ça, tu te pousses l'œil. D'accord. Voilà. Allons-y. Voilà, ouais. Donc on met un porc. Tchac. Et une maison. Voilà. Ensuite, ici, on va continuer une route normale. Si j'enlève ça. Bon, je pense que ça va quand même. Allez. On n'était pas m'embêter pour si peu. Une plein d'eau, quoi. Non, l'activité culturelle. Et agora aussi. Ça, faut que je le fasse tout de suite, sinon ça va pas le faire. Épicière, marchand de laine, marchand d'huile, bon je tue tout, armurier, marchand de vin, j'ai pas de marchand de chevaux. Trop loin, trop loin, trop loin. Ok. Donc,
Scumbo, les trucs comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. On a un truc ici. Donc, le vin et les olives, c'est bon. Donc, c'est la nourriture, la laine et les armements qui sont pas bons. Donc, laine et armement. Armement, voilà. On va mettre 10. Voilà. Que je réfléchisse. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais plus. Ah, je sais pas où je vais. Une route là. Je fais une route là pour rien. On va quand même relier au cas où, ça, si ça leur fait plaisir. Peut-être que ça sera bon pour la nourriture du coup. Voilà. Et là, on va mettre quand même une avenue, sinon ça va être pas joli. Voilà. Ah, et puis ça aussi. Voilà. Ah. Oh là là là. Toujours trop loin. Toujours trop loin. Il faut que je mette un grenier aussi. Qu'est-ce qui me fait? Ils sont beaux. Ah, parce que là, il y a tout ce qui est ça. Tout ce qui est boisson, on va dire. Et là, il me faut ce qui est nourriture en plus. Donc on va se mettre un grenier ici. Là, ouais, chômage, toujours nickel. Par contre, on va mettre ça comme ça plutôt. Obtenir du blé. À moins que. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'il y a des trucs à chasser ici? Ça serait bon plan. Apparemment, non. La nourriture, j'en suis où? Bien trop peu. Donc, je vais mettre des pêcheries. Ah, bah si, il y a des trucs à chasser là. Parfait. Donc, viande. Voilà. Et on va mettre des pavillons de chasse. Ouais. Donc, ça, on va mettre là finalement. Ça, on enlève. Hop. On met ça là. Voilà. Donc, deux pavillons de chasse, je pense que ça ira. Là-bas, niveau nourriture, on est largement. Probablement de la pêcherie. Parce que, il n'y a même pas la place. Et on va enlever. Ça sert à rien. Et vous. Excusez-moi. Il faut que vous mangiez plus. Donc, on va vous mettre. Tac, tac, tac. Allez. Comme ça, en voiture, ça bouge trop place. On va mettre comme ça. Et le collège, on met à l'autre bout, comme d'habitude. Voilà. Là, il y a un peu de laine. Ouais. Bon, je peux déjà apporter un peu d'huile d'olive. Voilà. Mais ça, quoi, la route là? Parce qu'il y avait un dock avant. On va l'enlever, ça les fera économiser un kilomètre. Alors, là, est-ce qu'on a tout? Achat, achat, aucune demande, pas de marché. Ok, maintenant, on va mettre un stade, un podium, et un collège, un théâtre. Voilà, et de l'autre côté, on met l'école de théâtre, et le collège. Ah, oh, j'ai mis un podium, pas un collège. Ouais. Ok, donc là, normalement, là, tous les quatre vont monter assez rapidement. Il me faut 39 ouvriers. Donc j'ai bien fait d'augmenter là-haut en même temps. On est là, voilà. Il manque de l'huile d'olive. Pas de marchand d'huile d'olive, on va le mettre. Je suis pas Excel caché, tu vas pas. Je vais gagner mon pari, je suis revenu. Ça, on met ça comme ça. Donc c'est bon. Voilà. Parce que vous avez remarqué qu'il n'y a aucun problème de cacher du coup. C'est vraiment le bon plan. Au début, c'est un peu chaud parce qu'on n'a pas forcément l'argent nécessaire. Et là, mon argent augmente, j'ai plus 6000 cette année. Alors que je suis qu'au mois d'août pour l'instant. Donc c'est pas mal bien. Je suis fier de moi. Excusez-moi. Toi, tu vas en servir. Toi, tu vas en servir. On va arrêter pour l'instant. J'en ai 0. C'est un peu dur.
Non, j'en ai 5 maintenant. Je sais pas. Caché. Ok, et là, caché. Aïe 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 aïe. Faire ça. Non, non, on va mettre à place de ça. Hop. Magnifique. Et tu veux du vin, c'est normal. Espèce d'alcoolo. Si vous avez vu la série Spartacus, elle est déconseillée moins de 18 par contre, mais si vous l'avez vu, ou si vous l'avez pas vu, je vous la conseille. Elle est vraiment très bien faite. Et bah, vous pourrez voir la débauche romaine dans sa plus belle splendeur, on va dire. Ce qu'on va faire, c'est que donc, ça on va annuler. Voilà, on va mettre le podium. On va mettre au bout. Voilà, aucune route, ça va mieux. Et on va mettre des amis, des boulevards. Continue de vous marcher. Boulevard le plus cher. Voilà. Donc là, hop. Voilà, comme le cachet qui est passé haut. Là, c'est un point que j'ai. Un monument commémoratif. Voilà. Parce que ce qui prend du vin, avec une gamme du vin, c'est très intéressant. Et ils fournissent comme des soldats, donc on est bon. Hop, boum, je suis en merde. Il est. Voilà. Voilà, du coup, santé générale est plus assez bonne. Il faut que je mette un hôpital ici. Ici. Voilà. Derrière, on va rajouter quand même un poste de surveillance, on fait ça comme ça. J'en ai mis un ici. Voilà. Il y a un ici, on est bon. Et là-bas, il faut que je mette également. Si je retrouve, voilà. Caché. 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 Il faut également que je mette un hôpital. Voilà. L'hôpital, on va le mettre le plus loin possible. J'espère qu'il y aura. Qui marchera bien, qui marchera beau, assez loin. Voilà, on va rajouter des parcs. On a une avenue, voilà. Voilà. C'est toujours pas suffisant. Cette cité est une véritable. Ça, on va enlever, on va décaler d'un cran. On va mettre. Ça vous suffit pas. Bande de chiens. Le podium, on va le mettre. Au pire, j'enlève une maison, puis l'autre sera un maximum. Je sais pas si c'est rentable. En tout cas, j'en ai 48, on passe à 60. Non, c'est pas rentable. Je vais me laisser deux moyens que une grande. Pour lui c'est bon. Et si on met un truc là, ici. On va le mettre là. On est bon. Célébrez-moi, car je suis le terrible. Voilà. Et votre cité brillera de. On en est où pour ça? J'aime. Ouais, ça va pas assez loin, mais je pense que c'est pas bien grave. Là où je vais mettre un truc chez les riches, c'est les impôts. On va le mettre. Ici, et lui on peut l'appeler. Yes! Ouais! Bis, c'est en route pour ma cité. Oh, c'est pas grave. Dans l'hygiène, j'en ai plus une affiche. Je vais quand même rajouter ça ici. On va cacher, c'est là. Voilà, c'est bon. Le danger, donc. Je l'ai eu comme 4, hein. C'est. Ça fait beaucoup. Je vais l'enlever, ça va. Voilà, Ulysse vient d'arriver, je suis content de lui. Voilà, une petite maison. Pourquoi je peux pas le mettre? C'est quoi le délire? Pardon, j'ai tapé dans le micro. Les gens mangent trop. C'est ça qui mange trop. Je mange pas trop, qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi.
Oui, oui, les entrepôts sont pleins. Pourquoi ils m'embêtent? C'est trop peu. D'accord. Ah ouais. Là, c'est bon, ça travaille tout seul ici. Bref. On va essayer de faire ça. Ah oui, au final, ça fait une petite armée aussi. Oups. Non. Oublié. On en profite pour enregistrer. C'est toujours mieux quand on fait un petit assaut comme ça. Je suis Ulysse, roi du Dark, connu dans le monde entier. Je combattrai tous vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis à combattre, je me contenterai d'apprécier votre hospitalité. Hospitalité, pardon. Ça, on enlève. On remet. Voilà. Si je veux ça, ça passe. Ouais, ça sert à rien. Donc là, tout est à maximum partout, j'ai plus rien à faire. Chômage, c'est bon ça. Est-ce que je peux pas faire quelque chose d'intéressant? Un petit REM, je fais combien de chômage? Voilà, je vais faire un petit REM. Allez, pour le fun, on va faire un petit REM. On va faire là, il y a plus. Voilà, on va faire un petit REM. Ça sert à rien, ça prend 100 ouvriers, c'est bien. Voilà. Je crois que vous avez déjà vu. Oui, j'ai déjà fait des tirs avec eux dans mes vidéos. Il leur faut des armements. Ouais, des armements. Ça va venir assez rapidement, c'est juste à côté. Le bronze, j'en ai combien? Bronze, je trouve pas. J'en ai 3. Ah, je l'importe le bronze, je le fais pas. Ah bah voilà. Je vais s'écouter. Ce qui devrait commencer à affaiblir Troie. On l'a entendu aussi évoquer un plan ingénieux pour déjouer les défenses de la ville. Même s'il faut bien garder en tête qu'Ulysse n'est pas toujours très avisé. En son absence, des douzaines de prétendants se sont abattus sur Ithaque dans l'espoir de convaincre la belle Pénélope, son épouse, de rejeter ce mari fantasque et d'en choisir un autre. Gêné dans ses moindres mouvements par le nombre d'hommes venus lui faire la cour, Pénélope n'a pu faire autrement que d'isoler la cité jusqu'à ce qu'elle ait trouvé le moyen de se débarrasser de ses prétendants. Voilà. On va retourner dans une colonie. La construction d'un bâtiment, quel qu'il soit ici en Ioni, attirera certainement l'attention de Dieu et celle des mortels. Deux sanctuaires, une petite population. Ok, l'ennemi risque fort de fâcher les dieux qui ont pris une partie de Troie. Il n'y a non plus un modèle, un sanctuaire dédié à Athéna. Il n'hésitera pas à vous faire la culture et essayer d'empêcher les travaux. Il serait sage d'entamer très bientôt l'édification des sanctuaires. Plutôt que des divinités sur vos côtés, mieux sur vos droits. Je suis d'accord, c'est toujours mieux qu'on ait une divinité avec nous. Puis au niveau pour tenir un projet dont vous avez besoin pour faire prospérer votre cité. Donc ce que je vais faire en premier, c'est Athéna et Zeus après, parce que Zeus c'est beaucoup plus long qu'Athéna, il faut beaucoup plus de sculptures. C'est là que les dons en sculpture vont être très 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 intéressants. J'ai beaucoup de bronze, donc je pourrais faire des armements. Il y a des bestioles à manger, donc c'est toujours bon. Et il y a beaucoup de forêts. Est-ce que je peux faire une série? Parce que là, fonderie, il n'y a pas de série. Ça c'est complètement con. Ça aurait été bien pratique. En nourriture, blé, mouton, donc de la laine. Et donc pas de chasse. Donc fonderie, mais fonderie c'est ouais. On va chercher le bronze pour le transformer en bronze. Et le bronze, parce qu'il peut être en sculpture. Non. Mais ça sera une manière de garder des sous. Et là il y en a quoi? On a. Ouais, des loups. Mais franchement cette carte, elle m'a bien sympa. Parce que ce que je vois très bien, c'est on fait les habitations ici. Bah là, on fout tout. Ici, on fait tout le blé et les moutons. À côté des habitations, on peut mettre du bronze ou alors on peut mettre à l'extérieur. Et on peut également mettre des pavillons de chasse. Donc, s'installer ici, ça serait assez mauvais parce que il y a trop de cailloux un peu partout. En fait, la map, c'est comme une petite map qui se résume à ce point ici. Mais c'est sympa. C'est sympa. Ouais. Ok. Donc, on enregistre. Les gens, je vous dis à très bientôt pour la suite de mes aventures. Et ciao ciao. D'accord, il n'est pas rempli en entrepôt là.
Il faut y rentrer un peu, il faut bien sûr. Ah, parce qu'il y en a déjà 16, il y a toute place, donc il est rentré à la maison. Ok. Oui, dans les loups, c'est pas qu'on peut nous embêter, je pense pas. Donc là, il y a du monde qui arrive, donc on va mettre des chasseurs. Je suis possible. Salut, Popo. Célébrez-moi. On va mettre deux. Avec une route. Comme ça, route. Ah. Voilà, on va voir si le mec il va assez loin. On peut mettre des maisons tout le long, on n'aura pas de soucis. Loup. Bon, j'ai réussi à enregistrer le jeu avec Frappe, donc vous aurez le son du jeu et le son de ma voix. Première fois que ça arrive dans ce jeu. Il vient d'où j'en ai. Oh. La petite culture, c'est pas du monde d'ouvrier, mais c'est un mal. Attendez qu'il y ait. Ouais. Faudrait qu'on ait d'abord assez d'ouvriers. Donc là, ça, j'enlève. Paf. Là, il vient tout. Mais des maisons. Vas-y, on passe. On va faire comme ça. Tac. 1, 2. Et on met une maison. Voilà. De l'hygiène. Et de la sécurité. Voilà. Et on met pas de troupes comme ça. On fait deux quartiers, en fait deux villes indépendantes. Complètement indépendantes. Ah, j'ai déjà des chasseurs aussi. Et il y a des gens qui m'ont incité pour 80 logements en plus. Niveau nourriture, il n'y a pas de soucis apparemment. Sauf là, ils n'ont pas de chevaux. Est-ce que je peux faire des chevaux? Non. Voilà, vas-y, t'es mis d'eau, ça. Ça me guidera un peu. Sauf que tu vas avec le vin. Sauf que tu vas avec le vin. Ça fait vraiment un petit moment que j'ai pu jouer, donc je suis un peu à côté de la plaque. Mais bon. Qu'est-ce qu'il fait que là? Salut tout le monde, c'est Bardock, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur c'est le maître de Boulin. Ça fait très longtemps qu'on n'y a plus joué, mais là on est reparti. Et donc, je ne sais plus ce qu'il faut faire, je ne sais plus tout ce que nous devons faire. Alors, vous voulez le plater. D'accord, donc il faut appeler je ne sais pas qui, c'est la main. Voilà. Alors il faut retrouver notre sang. Elle est là. Il faut 8 gens de monsieur et de l'huile d'olive. D'accord. Je vois juste un truc. Ok, on est bon. Ouais. Frost me dit que j'ai 200 FPS, donc c'est génial. Donc là, on va lancer le jeu. Et donc, il faut 8 logements, c'est ça? Voilà, 8 logements luxueux. Actuellement, on est 6, 2, 4, 6. Donc, je vais devoir faire un même quartier. Ouais, dans le problème, là j'ai un peu bloqué, c'est un peu embêtant. La fois que je vais le faire par la main, c'est pas cool, il n'y aura pas de bien caché. Ouais, ici je pense qu'on va savoir de ici. Donc, niveau ouvrier, on est comment? 10 ouvriers requis. Et niveau nourriture, c'est beaucoup. Ok, on est en mai. Le bleu, on l'a bientôt. Donc, je vais en mettre en tête hein, parce que c'est trop. C'est bon que je peux jouer. La olive, c'est parfait, je sais pas d'où elles viennent, bah des oliviers tout simplement. Et le vin, on en a beaucoup également. Ainsi que la laine. Niveau exploitation, là c'est pour les structurages. Niveau importation, exportation, on exporte de la laine. Et on peut exporter du vin, non. Des olives, oui, on va exporter un peu d'olives parce que la production d'huile d'olive ne suit pas. Donc, ici, on peut des olives. C'est pas là. On va sur la carte. Achète. Qui m'achète des olives? Ah, Ténédos. On va faire un doc pour Ténédos. Du coup, ça va très bien aussi.
sûr que ici on pourra le faire. Mais... voilà. Je vais regarder le cachet si ça fait descendre ou pas. Sinon, moi, je suis en vacances. C'est génial tout là. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vais pareil. Moi, je vais super bien, comme je disais donc. Et puis c'est bientôt Noël. Hein. Donc, j'ai le Père Noël qui va être passé. Ça va être aussi sympathique. On va en vendre une dizaine. Ainsi que du raisin. Par exemple, on va en vendre une vingtaine. Je pense facilement. Voilà. Alors, voilà. Notre quartier, bon, on va l'agrandir. Est-ce qu'on va l'agrandir? Voilà bien. Ce que je pourrais faire, c'est des implantations ici, juste pour le nouveau quartier. Et je refais un nouveau quartier ici. Voilà, pour mettre des chasseurs pour la viande. Je vais faire ça. Je vais refaire un tout nouveau quartier. Je vais essayer de mettre d'abord mes maisons là où il n'y a pas trop de champs. Je vais mettre là. Hop. On va mettre l'agora. Je sais pas si c'est intéressant ça. Non, c'est pas très intéressant. Si c'est intéressant ce que je vais faire, ce que je viens de faire. C'est très intéressant. Comme ça, le couteau il ira forcément du bon côté et il ira plus loin. Normalement.